course. Rajoutez au pied de drapeau vert, s'il vous plaît. Au chrono, ça devrait être bon. Et pareil, encore un coup de chapeau pour la, tout le travail qui est réalisé au niveau du chrono. Alors, sans oublier nos amis du technique, nos petites mamies super gentilles et adorables qui ont fait encore un boulot énorme. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est des journées de préparation. Hier, elles étaient déjà là pour tout mettre nickel dans cette jolie petite salle. Et elles bossent comme des sacrées dames. Encore un grand coup de chapeau, beaucoup de respect et de gros bisous. L'histoire de rendre hommage à tous ces bénévoles, et pardon à ceux que j'oublie, mais qui sont bien évidemment également logés dans un coin de mon petit cœur. Allez, là-bas, sur les lignes de départ, on aperçoit notre ami Denis Dion, qui vous donne rendez-vous le 21 juillet à Saint-Aignan, le Jaillard, pour la finale du championnat de France 85 espoir. Grosse démonstration du Sictar également là-bas, à quelques kilomètres de Sur-Loire. Gros rendez-vous pour mon ami Claude là-bas, 18, 19, 20 mai, à Brou, championnat de France et ministre national, championnat d'Europe 85-65, trophée Yamaha Eastern Moto. Le Yamaha Eastern Moto, je l'ai sorti un paquet de pilotes. En parlant de Yamaha Eastern Moto, on a une superstar que nous retrouverons tout à l'heure en open, je pense, à celui qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Avant son grand rendez-vous à l'église de Saint-Jean-d'Angély, j'ai nommé Loïc Léonce, que nous allons retrouver juste après. Allez, en attendant, tout le monde en place. Fait silence, ça fait du bien, ça va permettre à tout ce petit monde de se concentrer. Un joli tracé, au niveau visibilité, c'est vraiment sympa. Voilà. Et au niveau sécurité, c'est pas mal du tout aussi. Hein. Voilà. C'est un petit comme ça, pour protéger au maximum le spectateur. Attention, on se calme au niveau du chrono. It's alright, attention pour le panneau 15 secondes dans quelques instants.